Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le finisher rétro par Ujam. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Pour vous procurer le finisher rétro, vous pouvez aller sur le www.ujam.com rubrique finisher, donc c'est leur gamme d'effets, et donc on va avoir accès au finisher rétro qui va nous permettre tout simplement d'appliquer des effets vintage sur les tracks de votre choix. Donc on va pouvoir faire toutes sortes d'effets allant de la reverb, chorus, distorsion, compression, émulation de platine cassette, émulation de vinyle, émulation de console, bref, il y a vraiment de tout. C'est un bon VST avec une interface très bien faite, facile à utiliser étant donné qu'on n'a que 5 potentiomètres plus le fader d'entrée et le fader de sortie. Donc c'est très facile à utiliser, il va fonctionner au format VST, AU2 et AX. Donc ça va être compatible avec la quasi-totalité des DAW du marché. Nous, on va le tester sur Reason. Vous allez le trouver au prix de 99€. Vous pouvez l'avoir aussi directement sur le site de Plugin Boutique au prix de 99€. Je vous laisserai aller lire toutes les indications qu'il y a sur le VST et je vous mettrai un lien affilié pour pouvoir l'acheter si vous intéresse tout en soutenant la chaîne. Donc on se retrouve directement dans Reason où j'ai créé un petit morceau qu'on va s'écouter de suite. Voilà en gros l'ambiance du morceau. Bien entendu, j'ai utilisé le finisher rétro pour pouvoir mixer en partie le son. Alors tout n'est pas fini, j'ai pas encore mis les effets sur le master, mais on va dire que par exemple sur tout ce qui est drum, mélodie, j'ai utilisé le finisher rétro. Donc si on prend par exemple les drums, je vais mettre mon bus de drum en solo. Là, je vais ouvrir une instance du finisher rétro, donc bien sûr, on va pouvoir redimensionner l'interface du logiciel un peu comme on en a envie. Sinon, on a directement un bouton automatique qui va nous permettre de passer de grande taille à petite taille. Maintenant, pour le besoin du tuto, je vais le laisser en grande taille. Et donc, ici en haut, on va avoir tout simplement les presets d'utilisation. Donc, on va avoir les presets par défaut, les effets de filtre, distorsion, les effets d'âge, les modulations et les ambiances. Ensuite, en appuyant directement, par exemple là, je suis sur le preset multibandman. Si j'appuie sur le preset, je vais avoir tous les effets du logiciel qui vont être rangés par année. Donc année 60 avec les effets qui vont bien, année 70, 80, 90. Donc là, par exemple, en ce qui concerne les drums, j'ai utilisé la compression, enfin un preset de compression multibande. Comme ça, j'ai mes drums en solo. Et donc, si je mets l'effet en bypass, ça va nous donner ceci. On sent d'office la différence. Ce qui va se passer, c'est que par exemple, je vais avoir
un premier sélecteur ici qui va me permettre soit d'ajouter de la compression, de la distorsion. Bose, ça va être un effet et un autre effet qui s'appelle double. Donc là, moi, j'ai choisi la compression. J'ai rajouté du processus parallèle. Ensuite, on a la partie mid-range et la partie coloration. Et bien entendu, le gros potentiomètre, lui, il va nous permettre d'oser l'effet par rapport à la piste originale. Donc là, je suis totalement naturel, je remets l'effet en fonction. Comme vous voyez, c'est un effet qui fait très très bien le taf. Ensuite, si je prends par exemple ma 808, pareil, pour pouvoir rajouter du grain, j'ai utilisé le finisher rétro. Je suis resté avec le preset multibandman, sauf que cette fois, je suis en distorsion. Donc le son naturel de la 808, c'était ça. Vous pouvez voir, ça fait vraiment très bien le taf. Moi, je préfère passer directement par la recherche de presets en fonction des années. Ça va plus vite. Donc, on va avoir tous les types de presets possibles. On va aller en voir quelques-uns avec les mélodies. Donc, si je me mets sur mon bus de mélodie, voilà, je vais prendre celui-ci parce que j'en ai deux en fait. Donc il y en a un qui est fait à partir du Serato sample. J'ai récupéré un sample que j'ai découpé. Et donc si je mets l'effet en bypass, ça va donner ça. Donc là on a le son naturel. Et là, avec l'effet. Donc pareil, j'ai pris un preset des années 60 qui s'appelle Duo Vibe. Et donc là, par exemple, au niveau du mode, je vais avoir chorus, vibrato. Après, on a un paramètre de grit et le paramètre de coloration. Après, par exemple, je peux prendre un paramètre de reverb. Donc, on va avoir différents types de reverb. Je vais pouvoir jouer sur la diffusion, le tone, donc je vous conseillerais de mettre votre casque, hein. Après on a par exemple Rota Reverb,
là, je peux jouer sur la vitesse. Là, on a du drive. Scanner ensemble. Et à chaque fois, les presets des différents potentiomètres vont changer en fonction de l'effet. J'ai mis l'effet vinyle. Bon, j'ai un crossover mono stéréo. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Là, j'ai mis un chorus. Naturel avec l'effet. On a des effets de filtre. Là, Soul Signal Chain. Donc on peut obtenir vraiment des résultats relativement intéressants. Après, si je prends les effets des années 80... Donc là, on a un effet de beat crusher. Un effet de chorus. Ring modulator. Donc là, j'ai mis un effet cassette. Donc on va pouvoir choisir la qualité de la bande, chrome, métal,
normal, hybride. On a un potentiomètre pour le bias. Une petite réverbe. Donc il y a vraiment de quoi faire. Après, si je prends les années 90, double tracker. Comme vous voyez, on peut vraiment faire toutes sortes d'effets avec le finisher rétro. Donc si vous souhaitez avoir la possibilité de mettre des effets rétro directement sur vos différents types de sons, comme vous voyez dans un mixage, on peut le mettre sur quasiment tous les types d'instruments pour pouvoir apporter une vibe à l'ancienne, bah, je vous conseille d'utiliser le finisher rétro. C'est vraiment un excellent multi-effet qui apporte pas mal de choses, et en bidouillant les différents paramètres, on peut arriver à des choses vraiment très intéressantes. Donc j'espère que cette petite présentation du finisher rétro vous aura plu. Vous retrouverez les liens directement dans la description de la vidéo. Après, c'est vraiment un excellent effet pour la lo-fi, pour donner du grain directement à vos sons, à vos enregistrements. Il est assez bien fait, très facile d'utilisation.
Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut!